Yeah, I'd like to buy this $1,200 computer. That'll be $5,300 complete. $5,300? What with monitor, software, disk drive, etc., etc. Oh. How much is that $1,000 computer? $4,400. Uh-huh. How much is that $1,400 computer? $3,900. No, Max. The $1,400 is $4,800. The $600 is $3,900. I thought the $1,100 was $4,800. Some computer companies give you a lot of options. K-Pro gives you a complete computer for $1,295. Salut les rétro-computeristes et rétro-computeurs, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au K-Pro. Alors qu'est-ce que le K-Pro ? C'est un ordinateur portable, ou on va dire plutôt transportable, vu qu'il pèse pas loin des 13 kilos. Et c'était un ordinateur américain qui a eu beaucoup de succès au début des années 80, car c'était un des premiers à proposer un écran intégré, deux lecteurs de disquettes intégrés, un système d'exploitation, un vrai clavier mécanique, le tout dans un format assez dense, en tout cas assez pour pouvoir rajouter une poignée sur le boîtier et pouvoir transporter l'ordinateur d'un point à un autre. Alors bien sûr, ça ne marchait pas sur batterie, il fallait quand même le brancher à un secteur, mais en fait, c'est ce qu'on appelait les premiers ordinateurs portables, ou plutôt transportables. Alors le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un K-Pro 284, et comme son nom l'indique, il est sorti en 1984. C'est une sorte de révision du premier K-Pro, qui lui s'appelait le K-Pro 2, tout court. Alors oui, je sais, chez K-Pro, le nom des machines est un peu compliqué, et on essaiera de faire un petit résumé tout à l'heure, mais effectivement, le premier K-Pro s'appelle le K-Pro 2, sans doute une mode par rapport au succès de l'Apple 2 à cette époque. Alors je peux quand même vous montrer le clavier qui lui rentre à l'écran. Voilà le beau clavier mécanique du K-Pro. Déjà, rien que le clavier, hein, c'est pas de la merde. Il rigole pas chez K-Pro, c'est du solide, tout en alu. Indestructible. Voilà, ce modèle particulier de K-Pro m'a été donné par Linda Mack, une gentille californienne, qui m'a écrit à travers le site oldcomputers.com pour me faire ce don. C'est effectivement un ordinateur qu'on trouve plus difficilement en Europe et en France, mais il s'est extrêmement bien vendu aux États-Unis et il y en a évidemment beaucoup plus là-bas. Alors je profite de cette vidéo pour remercier Linda. Thank you Linda de m'avoir envoyé l'ordinateur, hein, parce qu'il pèse quand même super lourd, plus les disquettes, les docks, etc. Alors comme d'habitude, on va d'abord regarder un petit historique rapide de la marque et des différents modèles. Puis je vous retrouve tout à l'heure, on va regarder la machine de plus près, ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Et puis on finira par le test de quelques jeux disponibles sur cette machine. Ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable, c'est un ordinateur 8 bits qui fonctionne sous CPM, ce système d'exploitation populaire avant l'arrivée de MS-DOS, et qui a priori ne peut afficher que des caractères ASCII à l'écran, il n'y a pas de mode graphique, bien que vous le verrez, ce modèle en particulier permet des petites choses quand même sympathiques. Allez, assez de parlotte, c'est parti. En 1980 sort l'Osborne 1, le premier ordinateur portable ayant rencontré un véritable succès. Enfin, quand on dit portable, on devrait plutôt dire transportable, car la bête pèse quand même 11 kg et a besoin d'être branchée au secteur pour fonctionner. Mais de la taille d'une machine à coudre, l'Osborne 1 possède une poignée qui permet de le transporter facilement d'un endroit à un autre ou de le glisser sous un siège d'avion sans difficulté. La sortie de l'Osborne 1 marque un véritable tournant dans l'histoire des ordinateurs portables car son prix très abordable, 1800$ de l'époque, permet de démocratiser ce genre de machine chez les particuliers ou dans les entreprises. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre la genèse des K-Pro. En 1952, Andrew Kay, futur inventeur du voltmètre électronique, fonde la société américaine Nonlinear Systems qui se spécialise dans la production d'appareils de mesure électronique. On voit sur cette photo Andrew Kay à gauche et son fils David à droite, une photo prise en 1984 dans leur usine. Suite au succès de l'Osborne 1, Andrew Kay a l'idée de faire la même chose mais en mieux. C'est ainsi qu'en mars 1982, Nonlinear Systems révèle son premier modèle à la presse, le K-Comp 2. Très inspiré par l'Osborne 1 sorti un an plus tôt, il améliore tout de même son concept sur plusieurs points. Un écran 9 pouces, plus grand que celui de l'Osborne qui ne faisait lui que 5 pouces. Il est donc capable d'afficher 80 colonnes directement, alors que sur l'Osborne, l'écran ne représentait qu'une fenêtre virtuelle qu'il fallait déplacer pour voir le reste.
deux lecteurs de disquettes 5 pouces, 1 quart, simple face, double densité, permettant de stocker 192 kilo-octets par disquette, contrairement à l'Osborne 1, dont les lecteurs ne sont que simple densité, et donc ne permettent de stocker que 90 kilo-octets. Enfin, un boîtier en métal à l'épreuve des chocs et qui inspire confiance, contrairement au boîtier en plastique de l'Osborne. Toutes ces améliorations sont proposées pour 1795$, soit le même prix que l'Osborne 1 à sa sortie un an plus tôt. A l'instar de l'Osborne, le K-Comp 2 est livré avec toute une offre logicielle assez incroyable, dont la valeur à elle seule représente plus que le prix de vente du K-Comp. En 1983, le package comprenait le système d'exploitation CPM, un traitement de texte, un tableur, une base de données, un assistant orthographique, un logiciel de communication pour terminaux, plusieurs langages de programmation et quelques jeux. Rapidement, le K-Comp 2, rebaptisé K-Pro 2, va rencontrer un énorme succès et va se vendre comme des petits pains. Devant un tel succès, Nonlinear Systems va créer une filiale, appelée K-Pro Corporation, qui sera chargée de commercialiser les ordinateurs K-Pro. En un an seulement, K-Pro va devenir un des acteurs majeurs de la micro-informatique outre-Atlantique. En juin 1983, 10 000 unités étaient produites chaque mois. Face à cette réussite, K-Pro va enchaîner les modèles pendant plusieurs années, amenant parfois de la confusion chez les consommateurs, tant les dénominations semblaient ne suivre aucune logique. Essayons de faire le point. En 1982 sort donc le K-Comp 2, basé sur un Z80 tournant à 2,5 MHz, avec deux lecteurs de disquettes 5 pouces 1 quart, montés verticalement à droite de l'écran et offrant chacun 192 kilo-octets de stockage. À partir d'octobre 1982, le K-Comp 2 est renommé K-Pro 2, mais c'est la même machine. La même année, une version avec disque dur de 5 mégas, le K-Pro 5, est envisagée, mais apparemment jamais commercialisée. En 1983, le projet est remplacé par le K-Pro 10, un modèle équipé d'un Z80A à 4 MHz, d'un lecteur de disquette double face offrant 390 kilo-octets de stockage, et surtout d'un disque dur de 10 mégas intégré. Une version avec horloge interne et modem intégré sera aussi disponible l'année suivante. Toujours en 1983, sort le K-Pro 4, une évolution du K-Pro 2, équipé de deux lecteurs de disquettes double face d'une capacité de 390 kilo-octets chacun. À partir de 1984, tous les K-Pro sont équipés d'un Z80A à 4 MHz. Et là, ça devient n'importe quoi en termes de nouveaux modèles et de leurs appellations. Accrochez-vous. On a d'abord le K-Pro 2 84, un K-Pro 2 classique mais équipé d'un Z80 à 4 MHz, de deux ports RS-232 au lieu d'un seul, toujours un port parallèle, une nouvelle carte mère, une nouvelle ROM et surtout des capacités graphiques mal documentées pourtant disponibles sur tous les modèles qui suivront. C'est le modèle que nous allons tester dans cette vidéo. Après ça vient le K-Pro 2X, équivalent du K-Pro 4, enfin celui de 1983, car en 1984 sortent également de nouveaux modèles du 4. Bref, le K-Pro 2X a deux lecteurs slim de 390 kilo-octets chacun. Et donc on retrouve des nouveaux K-Pro 4 qui diffèrent de l'ancien par son Z80A plus rapide, des lecteurs slim, des capacités graphiques, une horloge interne et un modem intégré. Et on passe au K-Pro Robi, toujours en 1984. Celui-là diffère un peu des autres car c'est le seul K-Pro sous CPM qui n'est pas prévu pour être transportable. Plutôt destiné à une utilisation sur un bureau, il innove surtout par des lecteurs double face haute densité qui offrent 2,6 mégas de stockage chacun, ce qui était énorme pour l'époque. Malheureusement, un défaut de fabrication faisait que ces lecteurs pouvaient détruire, dans certaines circonstances, les disquettes qui, elles, coûtaient la peau du cul. Le Robi a été un échec et s'est très peu vendu. À cause de sa forme incongrue évoquant un casque, il a parfois été surnommé le Dark Vador Lunchbox. Passons à 1985 et au New K-Pro 2, en fait un modèle bas de gamme pour faire du traitement de texte avec seulement un seul lecteur slim de 390 kilo-octets. À part ça, ça reste un K-Pro 2 classique. Les compatibles IBM PC ont le vent en poupe et commencent à dominer sérieusement le marché de la micro-informatique, surtout professionnel. K-Pro sent le vent tourner et tente de s'adapter. Malheureusement, c'est aussi le début de la fin pour K-Pro et de nombreux autres constructeurs historiques du début des années 80. On trouve d'abord le modèle K-Pro 4 plus 88, en fait un K-Pro 4 avec une deuxième carte mère compatible PC à base de microprocesseur Intel 8088. La machine est donc capable de faire tourner CPM ou MS-DOS suivant les besoins. Le K-Pro 16 est plus radical puisque c'est le premier ordinateur K-Pro ne tournant pas sous CPM, mais seulement sous MS-DOS.
Il ressemble beaucoup au K-Pro 10, mais embarque une carte mère équipée d'un Intel 8088 et de 256 kilooctets de mémoire. Il a un lecteur de disquette slim de 360 kilooctets, plus un disque dur de 10 mégas. Un modèle 16/2 existe avec deux lecteurs de disquette et pas de disque dur. Toujours en 1985, on trouve le K-Pro 2000, le premier portable K-Pro à complètement abandonner le Poitier si caractéristique des premiers K-Pro. Le 2000 préfigure ce que seront les laptops modernes avec son écran LCD, son lecteur 3 pouces et demi intégré et son clavier détachable. Une bien belle machine au design innovant. Avec le K-Pro PC, le K-Pro 286i, puis le K-Pro 386, la société américaine rentre dans le rang en produisant des compatibles PC qui ressemblent à tous les autres. Noyé dans une offre pléthorique de compatibles PC, K-Pro ne va pas survivre et dépose le bilan en 1990. Tout juste peut-on noter la sortie du K-Pro 1 en 1986 comme un pied de nez aux appellations improbables des différents modèles. Le K-Pro 1 est le dernier ordinateur K-Pro sous CPM, une énième reconversion du K-Pro 2 avec deux lecteurs 5 pouces 1 quart slim montés verticalement. Le champ du cygne d'une lignée de K-Pro qui aura duré 5 ans, soit une éternité dans les années 80, époque où tous les ans, les certitudes de la veille se voyaient balayées par de nouvelles innovations technologiques. Alors, on va soulever le K-Pro. Et c'est 13 kilos. Et voilà à quoi ressemble le K-Pro. En fait, on pourrait dire que c'est un format d'une grosse tour de PC d'aujourd'hui, avec sa poignée pour le transporter et aller jouer chez ses amis. Non, c'est quand même pas une machine de jeu, c'est une machine professionnelle. Mais ça permet justement de pouvoir faire du télétravail avant l'heure, c'est-à-dire aller travailler à la maison ou au bureau avec le même ordinateur. Alors vous voyez que c'est un gros bloc métallique, bien sympathique, avec le logo K-Pro 2. Ici, on a des petits pieds pour le poser vertical et cette partie qu'on va détacher. Et puis, on peut regarder derrière différents connecteurs. C'est donc bien une machine américaine fabriquée à Solana Beach en Californie, USA. Et ici, j'ai un K-Pro 2 dont le numéro de série est 130-977. Alors, au niveau des connecteurs, on a ici la prise clavier, vous allez voir, on va brancher ça tout à l'heure. Ici, on a le Serial Printer Output, donc comme son nom l'indique, pour brancher tout type d'imprimante série. Ici, on a une autre prise série qui peut servir par exemple à brancher un modem ou un câble série pour communiquer avec un autre ordinateur ou d'autres extensions de communication. Ici, on a un port parallèle pour une imprimante parallèle. Donc vous voyez, port série, port parallèle, tout pour pouvoir imprimer de la façon la plus large possible sur toute gamme d'imprimantes. Ici, on a une prise réseau pour brancher un modem qui, en l'occurrence, n'est pas implémenté sur cette carte mère. Ce modèle de K-Pro n'a pas le modem intégré. Ça dépendait du modèle et le modèle 284 ne l'a pas intégré, mais a quand même la prise prévue à l'arrière. Ici, on a le gros interrupteur pour allumer l'ordinateur, le bouton reset et la prise électrique ici. Et enfin, là, complètement à droite, il y a le bouton qui nous sert à régler la luminosité de l'écran intégré. Alors, tournons la bête. Et ouvrons. Ici, vous voyez, grâce aux attaches, il faut les avancer et les sortir. C'est une sorte de grosse attache en plastique qui, étonnamment, tient encore, 40 ans après. On fait la même chose sur celui de droite. Et devant vos yeux ébahis, on peut sortir le clavier que je vous ai montré tout à l'heure en introduction. Alors dessous, on a un pied voilà, qu'on peut sortir et qui permet d'avoir l'ordinateur à la bonne taille de travail pour pouvoir mettre le clavier presque dessous. Ici, on trouve le câble qui va nous permettre de brancher le clavier et de le relier à l'ordinateur. Je le branche sur la prise prévue à cet effet derrière le clavier. Et je vais le brancher derrière à la prise qu'on a vue pour le clavier. Voilà, c'est relié. Et donc dans ce monobloc, on a un écran intégré cathodique de 9 pouces
et donc deux lecteurs de disquettes 5 pouces 1 quart, simple face, double densité. Avec la disquette toujours intégrée pour booter le CPM dans le premier lecteur. Une belle machine bien solide. Voilà, un vrai tank qui marche encore sans problème après toutes ces années. Bon, avant de l'allumer, on va ouvrir quand même l'intérieur et regarder la carte mère et voir un peu ce qu'il y a dedans. Bon, mais on va regarder ce qu'il y a dans le K-Pro. Pour ça, on va commencer par démonter la machine. Alors, sur le K-Pro, c'est pas très compliqué. Il y a juste quelques vis à sortir au-dessus et sur le côté. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a retiré les vis, le capot métallique se sort tout seul. Ok, mais on a ouvert le capot et on peut regarder la carte mère plus en détail. Alors ici, on est bien sur un modèle K-Pro 2 84, c'est-à-dire une révision du modèle de K-Pro 2. Il y a eu X modèles avec X carte mère et tous des emplacements différents et des fonctionnalités différentes. Alors par exemple, ici, on a le caractère ROM, donc la ROM qui contient les caractères. Ici, on a deux Z80A SIO, c'est-à-dire des Z80 spécialisés dans la gestion des entrées et sorties. Et donc, en l'occurrence, là, ils gèrent les ports série, le port parallèle et les entrées du clavier. Juste à côté, on a le CRT contrôleur, donc qui gère l'affichage. Je vous rappelle, ici, on a donc le moniteur 9 pouces cathodique noir et blanc, enfin plutôt noir et vert, du plus bel effet, vous verrez ça tout à l'heure qu'on va l'allumer. En U29, on a le Custom Gate Array. Ici, on a la boot ROM, donc c'est sur cette ROM que démarre l'ordinateur avant qu'on charge le CPM. Les sockets qui sont vides, là juste à côté, et toute cette partie, sont réservés pour le modem qui n'est pas implémenté sur le K-Pro 2.84, mais qu'il est par exemple sur le K-Pro 4.84. Donc justement, à partir de 1984, K-Pro va utiliser les mêmes cartes mères pour différents modèles, suivant les options qui sont implémentées sur ces modèles. Enfin, ici, on a le Z80A, qui bizarrement d'ailleurs sur ma carte mère semble être un Z80 tout court, alors que justement le modèle K-Pro 2.84, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un Z80A plus rapide, 4 MHz, à la place du Z80 qui lui fonctionnait à 2,5 MHz sur les premiers modèles. Et ici, en U44, on a le floppy disk contrôleur qui lui gère toute la partie communication avec les deux lecteurs de disquettes 5 pouces 1 quart qui, rappelons-le, ici sont des lecteurs simple face, double densité, donc ils donnent à peu près une capacité de 190 kilo-octets par disquette souple, ce qui est extraordinaire. Non, je déconne, c'est nul, mais on va pas se plaindre, c'est déjà ça, c'est mieux que certains ordinateurs de l'époque. Au moins, là, on achète l'ordi, on a les deux lecteurs intégrés. Et enfin, pour finir, on a ces 8 puces là sur le côté qui sont les 64 kilo-octets du K-Pro. Au niveau des entrées-sorties, on a donc les deux ports série ici, le port parallèle là, le clavier qui arrive directement ici, l'alimentation qui est là, et là le connecteur pour les floppy disks dont on vient de parler. Et ici, ce petit connecteur, c'est la sortie vidéo qui va directement au moniteur qui est intégré. Voilà, on a fait le tour, je pense qu'il est temps d'allumer la bête et voir ce que ça donne. Alors, je passe derrière et j'allume l'interrupteur principal. Et oh magie, appareil K-Pro, please place your diskette into drive A. Qu'est-ce qu'on va faire, parce que la disquette de boot, je l'ai ici. On va l'introduire tout de suite dans le lecteur A. Disquette 5 pouces 1 quart, hein, je vous rappelle. Et le CPM boot directement. Voilà, CPM version 2.2G, la version qui va bien pour ce modèle de K-Pro. Alors CPM, c'est une sorte de DOS, hein, un précurseur du DOS. C'est un système d'exploitation développé par Gary Kindel de Digital Research et qui ressemble fortement au DOS puisque le DOS en sera inspiré indirectement. Donc pour avoir le contenu d'une disquette, on tape dir. Donc là, je vois le contenu de la disquette A. Mais je peux aussi basculer avec B2 sur la deuxième disquette et voir son contenu. Et voilà, là j'ai plusieurs jeux en basique. Alors je vais pas vous mentir, le lecteur B je l'ai déconnecté et j'ai plutôt connecté dessus
Ingotech, ce qui me permet, via une clé USB, de charger plus facilement des programmes et des jeux, et ce qui va nous permettre d'explorer un peu ce que le K-Pro peut proposer en termes ludiques. Même si, je le rappelle, à la base, le K-Pro n'est pas du tout fait pour jouer, hein. C'est vraiment purement une machine CPM qui affiche du texte. Bien, mais l'ordinateur s'est allumé, il marche bien. Maintenant, on va pouvoir tester quelques jeux et voir ce que ça donne. Alors, sur les nombreuses disquettes que j'ai récupérées, on trouve quelques jeux quand même. Alors, il y avait toute une flopée de jeux CPM qui sont des jeux, je le répète, entièrement basés sur les caractères ASCII. Hein. Il n'y a pas de graphisme, il faut beaucoup d'imagination. CPM était une des premières tentatives de standard pour des ordinateurs basés sur le Z80. Mais ce standard avait un inconvénient, c'est qu'il ne prenait pas en compte les possibilités graphiques spécifiques de chaque machine. En tout cas, pas à un niveau autre que l'affichage de caractères. Et par exemple, sur ces disquettes, on retrouvait le jeu Aliens, qui était d'ailleurs livré avec les K-Pro, et qui est tout simplement un clone de Space Invader version texte. Alors la façon de jouer est un peu particulière, hein, parce qu'on bouge à droite ou à gauche, et il y a un autre bouton pour arrêter son mouvement, c'est pas juste simplement je me déplace un peu à droite ou à gauche. Espace pour tirer, et puis on nous propose 6 versions différentes du jeu, qui correspondent un peu à des niveaux de difficulté, mais aussi des aliens qui sont invisibles ou pas. Enfin bon, vous allez voir, on va essayer par exemple la version 3, où les aliens peuvent tirer quand même. Alors je suis en bas, oh là, je me suis fait avoir. Alors il n'y a pas de son non plus sur le K-Pro. Le son des touches suffit. Oh, oh, oh. Vous voyez, on voit quand même souvent le curseur qui se balade partout sur l'écran pour gérer l'affichage des graphismes. Quand je dis graphisme, c'est bien en mot. Vous voyez que là, tout est, donc comme je disais, en mode texte. Mais ça fait la blague quand même. Hein. Je veux dire, voilà, quand on a passé des heures à taper son texte, son prochain bouquin, son prochain film sur les K-Pro, on a besoin d'un petit break. Et pourquoi pas se faire un petit Space Invader. Voilà. Alors à noter qu'il existe une version. Wow. Score moins 25, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, vous voyez, il y a quand même la soucoupe en haut aussi qui passe. Je vais essayer de l'avoir. Yes. Si, bah, je suis médisant quand même. Il y a du son sur le K-Pro. Il y a un bip. Voilà, qui fait toujours le même bip. Alors là, je suis en train de faire ce qu'il faut jamais faire à Space Invader, c'est-à-dire détruire les vaisseaux au milieu et pas sur les côtés. Oh, j'ai loupé la soucoupe. Enfin, vous voyez que c'est très jouable. Alors, c'est sympa en plus. Au lieu de vous le montrer sur un émulateur, je préférais vous le montrer sur la vraie machine, évidemment, parce qu'il y a la rémanence de l'écran qui est vraiment cool. Wait a few seconds and type return. Ok. Voilà, rémanence de l'écran que vous voyez bien là sur la capture et qui fait partie du charme, voilà, partie intégrante hein, du charme de cette machine. Bon, on est revenu au menu, on va essayer la version 5 qui est bizarre. Tout est invisible apparemment, il faut essayer de toucher quand même. Oh là 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 là. Le truc se balade en haut, je sais pas, tout, on voit rien. Mais avec la rémanence, là je sais pas si vous voyez à l'écran, c'est assez surréaliste quand même. Parce que les trucs sont affichés un peu, mais pas beaucoup. On voit rien, on voit pas où sont les vaisseaux, on voit pas où sont les bunkers. Mais ça s'allume, ça clignote à l'écran. On voit surtout le curseur qui lui, parcourt tout l'écran pour afficher les vaisseaux, les graphismes. C'est les graphismes. Je m'entends. Ouais, c'est un peu space. C'est une version très très particulière. On va essayer de toucher le truc là. Allez! Ah oui, le premier K-Pro, le K-Pro 2, était une machine purement Z80, pas de graphisme, mais à partir des modèles 2.84, donc des modèles que j'ai et suivants, il y avait des possibilités de générer du graphisme, en tout cas des caractères semi-graphiques et de même pouvoir tracer des lignes, etc. Et donc, très très peu, mais alors je dis très très peu de jeux en profitent, bizarrement. Mais il existe quand même une version de Aliens
qui tire profit de ses capacités graphiques. Et je vais vous la montrer tout de suite dès que je retrouve la bonne disquette. Bien voilà, j'ai retrouvé la disquette où il y avait la version graphique de Aliens. Donc je l'ai lancée, on peut choisir Alien Strikes Back, donc la version, on va dire, la plus proche du jeu classique. Et vous voyez que c'est le même jeu. Voilà. Mais cette fois-ci, on utilise les caractères semi-graphiques du K-Pro, des nouveaux modèles de K-Pro. Et c'est tout de suite beaucoup plus sympathique. Ça, on a presque à faire là un TRS 80, les jeux d'arcade du TRS 80. Alors toujours aussi sympa avec cette rémanence de cet écran vert. Voilà, franchement pour la machine, c'est très jouable. C'est très jouable et c'est assez sympa quand même. Oh, oh j'ai été touché. Voilà, puis c'est tout à fait le type de jeu où il faut jouer vraiment sur la machine d'origine pour que le charme opère. Voilà, sur ce gros clavier face à cette grosse boîte métallique de 14 kg avec ce petit écran 9 pouces vert plein de rémanence. Allez, on va passer au jeu suivant pour vous montrer un autre aspect des jeux sur K-Pro. Bien là, je vous montrais un autre grand classique du K-Pro qui était livré aussi sur les disquettes qui étaient livrées avec l'ordinateur. Un jeu qui s'appelle Ladder. Échelle en anglais. Un jeu qui a été programmé par Yahoo Software en 1982-83. Alors, d'après ce que j'ai vu, c'est pas du tout un Yahoo qui a rapport avec le Yahoo Internet qu'il y a eu après. Alors, les touches, c'est avec le pavé numérique. Et espace pour sauter, on peut changer le niveau de difficulté, je suis déjà au niveau 1, et jouer en appuyant sur la touche P. Alors, ça commence, je suis en bas, je ne sais pas si vous voyez, je peux me déplacer et je peux sauter avec la barre d'espace. Je ne peux pas m'arrêter par contre, hop, je peux sauter sur les échelles, au-dessus des trous, au-dessus des... Wow, je tombe dans les trous. Attention, il ne faut pas se faire avoir. Voilà. Et il faut ramasser. Pourquoi je suis tombé dans le trou? Ça, c'était un piège. Alors. Je peux pas m'en sortir, en fait. Là je suis condamné. Là. Bon, je suis mort dans le trou. Ok, me rappeler de pas tomber dans ce trou. Donc, le but, eh bien, c'est d'arriver en haut du tableau, de ramasser tous les dollars, je crois. Oh là, je me suis pris un tonneau sur la gueule. Alors vous voyez bien que c'est évidemment inspiré grandement par Donkey Kong, mais c'est quand même une... Encore au même endroit. Mais c'est quand même une version originale. Voilà, c'est une adaptation en mode texte pour ordinateur CPM, en l'occurrence les K-Pro, et ça le fait. Voilà, ce que j'allais dire, ça fait la blague là aussi. Wow, hop, hop. Super. Je passe au niveau 2, ce qui n'était franchement pas de la tarte. Voilà, et ça se complique assez rapidement au niveau 2, et c'est là les tonneaux tombent. Ouf! Les tonneaux tombent sur les étoiles, qui est une sorte de, je sais pas, de flamme sans doute, et ils disparaissent. Oh là 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 là! Donc il faut arriver à sauter en plus les barrières, éviter tout ça. Oui, je disais, c'est quand même une adaptation originale. Oh non, je me suis tapé un truc. Voilà, Yahoo, 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 Yahoo. You really don't deserve this, but enter your name. Holy Pix. Il sauvegarde le high score sur la disquette en plus, donc c'est pratique. Voilà, Ladder, qui est pour moi un jeu quand même sans doute un des meilleurs jeux sur K-Pro, certes en mode texte, mais qui est une adaptation de Donkey Kong assez originale, qui sort un peu des sentiers battus et qui est vraiment fun à jouer. Et essayer d'avancer dans les tableaux et d'aller le plus loin possible, c'est vraiment sympa. Alors on en vient à un autre grand classique du K-Pro qui s'appelle Catch'em. Je pense qu'une des missions de Catch Them, et qui lui aussi, avec Aliens et Ladder,
sont des jeux qui étaient fournis avec les K-Pro pour s'amuser un peu. Alors c'est un logiciel qui est aussi écrit par Yahoo Software comme Ladder, et vous allez voir, c'est tout simplement un clone de Pac-Man. Alors pareil, on joue avec les touches du pavé numérique, et c'est parti pour une version 1 joueur. Alors c'est pas super rapide, mais c'est aussi en rapport avec le niveau de difficulté que j'ai pris. Et vous voyez que ben, c'est en mode texte, mais là aussi, ça fait la blague. Hein. Hop, j'ai mangé la pastille, je peux manger les monstres. Monsters, je peux prendre le dollar. Non, ben, je ne prendrai pas le dollar qui a disparu devant moi. Tant que c'est des M minuscules, je peux aller les manger. Voilà, on va essayer de parcourir le plus possible. Hop, je vais passer dans le tunnel. Alors ce labyrinthe, c'est bizarre quand même, parce qu'il est fortement scindé en deux. À part dans la partie basse, on peut pas trop rejoindre la partie opposée. Ouais, ils vont devenir assez agressifs là quand même. Je commence à en avoir pas mal autour de moi. Allez, on va les manger. Alors là aussi, vous voyez la rémanence de l'écran, fait pour beaucoup dans le charme du jeu. Le bonus. Yes. Oh, bon, ça va être difficile là. Ça commence à accélérer là, non? Parce que c'est pas souvent qu'il y a des captures d'écran, enfin des captures vidéo des jeux K-Pro sur un vrai K-Pro. Donc je trouve que ça valait le coup de prendre le temps de filmer ça dans des conditions convenables. Voilà, ben on va finir le premier tableau histoire de voir si le deuxième labyrinthe est différent. Ouais, cassez-vous. Hop. Ok, ben on a fait le tour, je crois qu'on peut passer au jeu suivant. Alors oui, c'est vrai, le K-Pro n'est pas l'ordinateur le plus prolifique en termes de homebrew, c'est-à-dire en termes de jeux développés ces dernières années par des passionnés. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai réussi à en trouver quand même deux ou trois, dont l'excellent Gorilla, qu'on va lancer tout de suite. Alors ça vous dit quelque chose, Gorilla? Non, c'est pas Donkey Kong, c'est autre chose. Alors le programme se lance et demande sur quelle machine on veut faire tourner le programme. Donc là, on va choisir K-Pro, donc le choix 4. Donc on voit bien la spécificité de CPM. Là, c'est un jeu CPM, mais quand on développe un jeu CPM et qu'on veut tirer parti des quelques spécificités de chaque machine, on est obligé de, au démarrage, demander quel type de machine il s'agit pour pouvoir gérer plus efficacement le jeu. Waouh, Gorilla.base. CPM 80 Turbo Modula 2 version en 2015, et qui est en fait une adaptation du programme connu, Gorilla, développé en QBasic en 1991 pour les premiers PC. Et d'ailleurs c'est rigolo, puisqu'on a parlé de Gorilla dans ma dernière vidéo, quand j'ai testé le jeu Artillery Command sur Interact Computer. Donc Francesco Splendorio, en 2015, s'est lancé dans le développement d'une version de Gorilla pour ordinateur CPM. Et ce qui est génial, c'est qu'il a cherché à tirer meilleure partie des machines CPM qui étaient utilisées pour lancer ce jeu, en l'occurrence ici un K-Pro. Et ça veut dire que c'est un des rares jeux pour K-Pro qui profite des caractères semi-graphiques et des possibilités graphiques du K-Pro. On va voir ce qu'il y a dans Set Preferences. On peut rentrer le nom des joueurs, le nombre de points, la gravité. Ok, c'est super, c'est complet. Hop, on revient et on va lancer le jeu. Et donc, il s'agit bien d'une adaptation de Gorilla, c'est-à-dire un jeu de balistique à deux joueurs. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a un joueur à gauche et un joueur à droite. On doit rentrer un angle. Par exemple, là, je commence par le joueur de gauche.
en 45, vitesse 50, et on doit essayer de toucher l'adversaire. Donc effectivement, à côté de moi, j'avais des immeubles qui me cachaient un peu l'angle de tir, donc c'était compliqué. Mais le deuxième joueur a un angle plus dégagé, donc je vais faire 45 degrés et 60 plutôt en force. Wallololol. Donc premier joueur, on va faire 60, 90. C'est presque. Alors, vous voyez, c'est hyper rapide, c'est très plaisant, c'est chouette graphiquement. Franchement, pour un jeu K-Pro CPM, cette version est excellente. Et puis, c'est fun, on peut jouer à deux. Je pense que pour mon association Musée Replay, c'est le genre de jeu que je vais mettre en exposition sur le K-Pro, qu'on le sortira pour des expositions. Allez, on va essayer pour joueur 2, 60, 100. Donc là, tout à l'heure, joueur 1, on était 60-90, c'était un peu trop, on va essayer 60-85. Mais non, angle 608, ça va pas du tout, je me suis trompé là. Bah oui, je sais pas ce qu'il a compris, mais bon. Donc là, on va essayer 60 et 85. Donc pour lui, on avait dit hein, 60-85, c'est ce qu'on pensait être pas mal. Et voilà, player one won this battle, press any key. Donc voilà, on a juste fait une manche de Gorilla Point Base, qui est une excellente adaptation, vraiment. Alors le jeu n'est pas très connu, il a fallu que je cherche quand même les fins fonds d'internet pour trouver un homebrew pour K-Pro, mais j'ai pas été déçu sur celui-là. Ok, mais j'ai trouvé une autre version de Pac-Man. Alors c'est pas Catch'em de tout à l'heure, c'est directement appelé Pac-Man, mais après quand on lance le jeu, ils font plus référence au terme Pac-Man, hein, on est plutôt dans des oubliettes entourées de monstres dans un labyrinthe et il faut qu'on survive. Alors il y a plusieurs options là aussi, on va faire l'option normale, voilà, et vous voyez que c'est différent, c'est pas les mêmes graphismes tout à l'heure, c'est pas le même labyrinthe, celui-là je trouve qu'il respecte un peu plus le labyrinthe initial de Pac-Man. Par contre, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, il y a du challenge. Mais pareil, hein, on se laisse prendre au jeu. Bon, ça reste en mode caractère ASCII. C'est pas super beau graphiquement. Mais ça reste très très jouable. Justement parce que cette version est assez rapide, donc challenging. J'ai un peu pris toutes les boules rapidement, là ça va être difficile pour moi maintenant. J'essaie de vous montrer au moins une vie. Ah, bien sûr. Je sais pas, là il s'est passé quoi. Chaud les marrons. Oh là là, oh là là, oh là là. Je suis où? Ok. Voilà. J'ai fini le premier niveau et puis ça enchaîne toujours apparemment sur le même labyrinthe. Donc, c'était pour vous montrer notre version de Pac-Man sur K-Pro CPM. Voilà, on peut passer au jeu suivant. Bon allez, on va se faire un dernier petit jeu. Alors, il y a des centaines de jeux qui existent hein, pour CPM. Il faut chercher dans les archives internet ou le CD qui a été archivé, le fameux CD Walnut Creek. Il y a plein de jeux, mais la plupart sont un peu, voilà, c'est soit des jeux en basique, soit des jeux textuels. On est souvent déçus, mais des fois, on tombe sur des petits trésors comme Wanderer, que je vais vous montrer maintenant. Alors, vous voyez que sur cette disquette, j'ai aussi une version de Rogue. Donc le fameux jeu d'exploration Donjons et Dragons, à l'origine de plein d'autres, hein, donc qui est vraiment sympa. Alors Wanderer de Steven Chipway, c'est un peu entre un rogue et un boulder dash. Alors l'héron, tout est en caractère textuel encore, hein, mais l'héron c'est des boulders, et les étoiles c'est les diamants qu'on doit ramasser, voilà, sans se faire défoncer par le reste. Alors c'est rigolo parce qu'on découvre au fur et à mesure comment ça marche. C'est-à-dire là par exemple un boulder est tombé parce que j'ai pris le diamant qu'il y a dessous et donc je suis mort. Alors on va essayer d'aller quand même un peu plus loin, je vais essayer de ramasser ces diamants. Voilà, vous voyez que les blocs tombent automatiquement. Là aussi, ça je peux pas le traverser. Ça je peux creuser, c'est de la terre.
Mais après, il faut bien réfléchir. En fait, c'est un petit jeu de réflexion. Voilà, à la Boulder Dash. Bien réfléchir à ce qu'on fait pour essayer de ramasser tous les diamants. Alors on découpe petit à petit, là par exemple l'inférieur bouge automatiquement une fois qu'on a pris le diamant. Et voilà. Donc c'est comme une flèche en fait. C'est-à-dire, j'ai pris le diamant, il est venu sur moi, il m'a tué. Bon, c'était pour vous montrer un peu le concept original sur lequel on tombe des fois en farfouillant dans les jeux CPM. Allez, je crois qu'on a fait un bon tour représentatif des jeux pour K-Pro. Donc on va pouvoir conclure cette vidéo. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo consacrée à l'ordinateur portable, transportable K-Pro. J'espère que vous en savez plus sur cette machine ou cette gamme de machines. C'est vrai que ce sont des ordinateurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en France, donc ça nous tenait à cœur de faire une vidéo sur cette machine qui m'a été donnée par Linda, que je remercie encore une fois. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser cette machine. Je ferai peut-être une petite vidéo supplémentaire dédiée à comment j'ai installé et configuré le GoTech pour le K-Pro. Ce sera peut-être intéressant pour les personnes qui veulent faire la même chose. Et je ferai peut-être aussi une autre vidéo sur comment transférer des fichiers entre un PC et le K-Pro par un câble série. J'ai un peu galéré, hein, comme tout, mais j'ai trouvé une solution qui marche, donc autant la partager avec vous dans une vidéo. Et pour finir, c'est vrai que j'ai été surpris de voir qu'il y avait un mode graphique disponible à partir de certains modèles de K-Pro, et qui pourtant n'était pratiquement jamais utilisé sur les logiciels que j'ai trouvés. J'ai donc décidé de me porter candidat à la prochaine présidentielle. Non, j'ai donc décidé de développer un jeu qui tirait profit justement de ses possibilités graphiques pour le K-Pro. Alors j'y ai passé plusieurs jours, mais je crois que j'arrive à un certain résultat sympathique par rapport au jeu en tout cas que je vous ai montré. Et donc je pense que je vais faire également une vidéo dédiée au développement de ce jeu pour vous montrer un peu par quelles étapes je suis passé. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo consacrée à une nouvelle machine ou à des vieux jeux vidéo tout pourris. Je vous dis à bientôt et faites de beaux rêves au pays merveilleux des pixels qui tâchent.